Baradja, rien dit monsieur l'arbitre. Il laisse l'action. Ah, il a un petit peu temporisé Benjinali. Pourtant, il y avait Aoudou qui avait fait un appel. Et la balle, vite récupérée par les joueurs de la GS Sawara. Et elle est mise en touche par Terbah Dagoulou. Dagoulou qui revient complètement derrière la balle dans les pieds de Baradja. Baradja au milieu de terrain. Baradja qui lève la tête, qui écarte la balle en profondeur. Ce sera une balle trop longue pour son coéquipier. Et la balle qui sort en touche pour le MC Oran. La remise en jeu pour la GS Sawara, qui pour l'instant gère son avance, 55e, 56e minute de jeu. Toujours ce score de 2-0 pour la GS Sawara. Les deux buts inscrits, on vous le rappelle, en première période, 22e et 37e minute de jeu par Aoudou. Allez, le MC Oran à l'attaque. Dagoulou. Dagoulou la frappe et le gardien. La petite claque n'était pas finie. Le retourné de Amran. Il y a deux personnes pour la récupération. Et la longue balle de la défense. La faute est commise sur Aoudou. Qui reste au sol, histoire de permettre un petit peu à ses coéquipiers de se replacer et de souffler un petit peu. Parce qu'il faut le dire, en ce début de seconde période, ce sont les joueurs du MCO qui essayent de faire le jeu. La GS Sawara temporise et gère son avance de deux buts. Et elle va essayer de trouver ses petites failles pour essayer de prendre... à défaut, donc, à la défense du MC Oran, pourquoi pas, marquer un troisième but comme ça a été fait en première mi-temps. Allez, Belgilali qui joue. Ah, on a encore essayé de jouer le petit 1-2. Et on aurait pu choisir une autre solution du côté de la GS Sawara. Et c'est récupéré rapidement pour le MC Oran. La longue balle là-bas sur le côté, le dribble, le centre-frappe et Bakayoko qui concède un corner en faveur du MC Oran. Corner qui va être botté par Aoued sur le côté droit du gardien Kefouin, qui a sauvé il y a quelques instants une balle, donc une grosse frappe. Allez, le corner et Kefouin sans problème, qui met en confiance sa défense, et un changement qui se profile pour